Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'annonce dont je parlais déjà dans les deux précédents Kaminari Challenge. On va commencer par justement le... Allez, l'avenir un peu... Bon, je vais parler que de l'avenir de la chaîne, mais bon, ouais, l'avenir si on peut parler comme ça. Du coup, vous savez qu'aujourd'hui... Non, vous le savez peut-être pas, mais demain je rentre à l'école. Ouais, l'école. L'unif quoi, et que du coup je vais plus avoir vraiment beaucoup de temps vu que je devrais étudier énormément et que j'aurai pas beaucoup de temps. Du coup il y aura moins de vidéos, donc ça vous le savez. Du coup voilà, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour ceux qui aiment bien le Kaminari Challenge. Je sais que vous m'avez reproché ces derniers temps que je ne sortais pas assez de Kaminari Challenge et je peux comprendre, le rythme était vraiment nul, nul à chier, mais c'était à cause de quelque chose. Il y avait une bonne raison, c'était Tales of Xillia 2, le let's play. Et honnêtement, c'est un jeu magnifique et à chaque fois que je me disais je vais enregistrer, je me disais pas j'allais enregistrer du Inazuma, je me disais sans hésitation, bah allez, je vais jouer à Tales of Xillia 2. Et l'enregistrer quoi. J'avais juste envie de jouer à ce jeu, avancer dans ce jeu, et voilà quoi. C'était vraiment, franchement, c'est pour ça que ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de Kaminari Challenge parce que j'avais moins l'occasion d'enregistrer. Et quand j'avais l'occasion, je jouais à du, j'enregistrais du Tales of Xillia 2. Donc je sais, d'un côté, c'est pas très très bien parce que la plupart de mes fans sont des fans d'Inazuma. Mais bon, quand même, quoi. Tales of Xillia 2, c'est quand même encore un chouette jeu, à mon avis. C'est assez dynamique. Et du coup, encore assez sympa à regarder. À mon avis, les gens qui ont vraiment envie de me voir m'amuser sur un jeu, ben, je pense que c'est quand même encore un bon jeu. C'est pas un jeu non plus super ennuyant. C'est vraiment dynamique. Bref. Donc voilà. Mais la bonne annonce, c'est que ben, je l'ai terminé. Tales of Xillia 2. Il y a l'épisode. Qui est sorti hier, et ben il y a environ 29 épisodes. Il y a 29 épisodes, mais le 29 ça va être genre une merde à monter parce que j'ai plusieurs fragments en fait. Et ouais, je vais devoir voir ce que je garde, mais c'est un long, 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 long épisode. Du coup, voilà, tout ça est enregistré. Maintenant, on va passer à autre chose. Ce week-end, il va y avoir ce que j'appelle le super week-end. Déjà, le samedi, il y aura 5 vidéos. 5. 5 vidéos, mais de la même série d'un côté. C'est une suite d'épisodes. Qui est en fait la suite d'un épisode d'un jeu dont j'ai fait 42 épisodes jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Je parle bien évidemment de Professeur Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney. Alors pourquoi est-ce que j'en fais des vidéos? Parce que certaines personnes m'ont demandé, ah oui, t'avais fait deux épisodes spéciaux, est-ce que tu pourrais faire les autres? Eh ben, j'ai réussi à en faire 10 autres. Il y en avait plus que 10 en fait, il y a 12 épisodes spéciaux. Et j'ai réussi à faire les 10 autres en 5 épisodes, quoi. Donc c'est des épisodes d'environ 30-40 minutes à chaque fois. Donc voilà, ça aussi c'est sympa. Donc voilà, ça c'est pour le samedi et le dimanche. La grosse annonce de la mort qui tue. Il va y avoir, pour les fans d'Inazuma, une nouvelle série. J'en ai déjà parlé dans le Kaminari Challenge qui est sorti aujourd'hui. Mais il y aura une nouvelle série sur du Inazuma Eleven. C'est pas un Kaminari Challenge. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose que, d'un côté, j'ai déjà fait sur la chaîne. Mais c'est le retour. Et ça va devenir très bon. Moi, en tout cas, je me suis amusé. J'ai fait un épisode pour l'instant. C'était très long, vu que j'ai un peu merdé. Mais ça va sortir, c'est super. Peut-être que je vais même réenregistrer parce que c'est possible de toute façon. Et ouais, franchement, ça va vous plaire. Je l'ai déjà fait à un moment sur ma chaîne et je pense que vous allez être très content. Donc dimanche, il y aura une vidéo à midi. Je ne mettrai pas de miniature vraiment spoilante. Je ne mettrai pas de titre spoilant. Je mettrai juste Inazuma
et vous verrez bien la suite quoi. Je vais voir comment je vais faire, je vais peut-être mettre Inazuma Mystère ou quoi, bref, vous voyez le truc. Du coup, voilà, je pense que vous allez être satisfait, en tout cas vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes content de voir ça. Et ouais, donc ce sera dimanche. Je n'ai pas vraiment envie de vous dire quelque chose parce que c'est ça en fait le problème sur YouTube, c'est que c'est marrant parce que il y a certaines personnes par exemple, elles font un nouveau jeu et puis elles font ça. Ah oui, quand est-ce qu'on va se retrouver aujourd'hui? Et ben en fait c'était directement dans le titre de la vidéo, ou bien le mec il est accompagné d'un autre YouTuber et c'est carrément dans le titre de la vidéo avec celui-là et il dit aujourd'hui on se retrouve avec une personne très spéciale, patati patata. Puis il dit ah c'est lui, et on le savait déjà vu qu'on avait déjà lu le titre. Du coup je trouve ça assez débile, assez spoilant. Du coup je me dis je vais rien mettre dans le titre, je vais rien mettre dans la miniature, et comme ça vous allez découvrir en direct entre guillemets, vous allez découvrir ce que c'est en voyant la vidéo. Je vais essayer de faire ça je vais essayer de faire un petit montage pour rendre ça un peu plus épique. Je ne l'ai pas encore fait, honte à moi. Mais ouais, voilà, franchement je pense que vous allez aimer, et ouais, allez regarder ma chaîne, passez sur votre compte YouTube dimanche, ou bien allez regarder ma chaîne lundi ou mardi, comme vous voulez, en sachant que là je vais reprendre le planning que j'avais fait pour Dumbo le 5W, c'est-à-dire lundi Kaminari Challenge, mardi Tales of Xillia 2, mercredi que Tales of Xillia 2, désolé mais avec les études je vais pas pouvoir faire énormément de Kaminari Challenge. Du coup le Kaminari Challenge en fait ce sera que le lundi, le jeudi et le samedi, sauf ce samedi en fait. Du coup voilà, écoutez, moi je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir écouté ce message, et moi je vous dis à la prochaine, notamment pour ce super week-end, et à tantôt pour Tales of Xillia 2, hein. Allez regarder ça, ça me fait très plaisir. Si vous allez regarder l'épisode 16, je pense que c'est. Et moi, je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir. Ok. Allez, c'est parti. Non. Allez, bordel quoi.